possible ça. Entrez. Bonjour. Bonjour, je suis là pour l'entretien. Bonjour, installez-vous. Merci. On va commencer vite, j'ai une longue journée. Je vois que vous avez travaillé 8 mois chez nos concurrents, mais je vois aussi que vous avez 6 mois d'arrêt d'activité. Je veux savoir pourquoi. Alors, en toute honnêteté, j'ai été déclaré atteint de la sclérose en plaques le mois de février dernier, et c'était après ma première crise. Ah, j'ai du mal à définir cette maladie. C'est bien cette maladie qui survient après une crise et qui perturbe tout ce qui est mobilité. Je m'appelle Nicolas et j'ai 26 ans. Et après ma première crise, j'ai perdu l'usage de mes jambes. Mais je dirige toujours mon entreprise. Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Tout le monde à l'ordre du jour. Le premier point qu'on va voir ensemble, c'est le plan de communication pour Monsieur Taïfé. Oui, donc j'ai établi un budget pour le dossier. Et c'est bien cette maladie qui peut provoquer des pertes de vue? Je m'appelle Julie, j'ai 32 ans. La sclérose en plaques a réduit considérablement ma vue et je continue d'enseigner ma passion. Cette maladie qui peut provoquer aussi des maux de tête, des troubles auditifs et des pertes d'équilibre de façon aléatoire. Je m'appelle Franck, j'ai 64 ans et ma maladie ne m'empêche pas de transmettre mon savoir. Mesdames et messieurs, bonsoir. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Oui, monsieur, c'est cette maladie. Mais elle ne restera pas de vivre. Et j'ai encore de grandes choses à accomplir. Plus de 2 millions de personnes sont atteintes de la sclérose en plaques dans le monde. Changeons notre regard. Il est toujours temps d'accomplir de grandes choses.